Bonjour à tous et bienvenue à Code Foot. Imagine que tu as envie d'une pizza, mais que tu n'as pas de pâte à pizza, mais tu as encore un peu de pain dans ton armoire ou dans ton congélateur. Alors ce plat, c'est vraiment quelque chose pour toi parce que je vais faire des pizzas tartines. Je vais commencer par mettre des tartines dans le grill ou dans un grille-pain pour qu'elles soient bien grillées de chaque côté. Il est temps de réutiliser le micro-ondes et sa fonction dual crisp, et pour ça tu as reçu un plat, mais si tu n'as pas ça, tu peux évidemment utiliser une poêle. Je vais mettre quelques feuilles de sauge et par-dessus un peu de copa et de l'ail ciselé. Ceci peut donc aller au micro-ondes environ 5 minutes à la fonction dual crisp ou jusqu'à ce que tout soit croustillant. Découper une tomate en rondelles pour mettre sur les tartines, puis assaisonner avec un peu de sel et poivre et de l'origan. Un peu de mozzarella râpée par-dessus et puis tout gratiner jusqu'à ce que ce soit bien doré. Et j'ai un fourneau de dingue, mais évidemment, si vous n'avez pas ça, un bon petit grill ordinaire, c'est parfait. Regardez-moi ça, la copa est super croustillante, tout comme la sauge et l'ail. Ça va être bon. On va tout dresser et puis terminer avec un peu de basilic. Est-ce que cette vidéo t'a donné envie de faire toi-même des tartines pizza? Alors clique sur like, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite clochette, comme ça t'es au courant de quand mes nouvelles vidéos seront en ligne. Partage ça avec tous tes amis et bon appétit. Au revoir. Le Supreme Chef de Whirlpool est une bête. Est-ce que tu as envie de remporter ce micro-ondes d'une valeur de 300€ pour la cuisine de ton cote? Clique tout simplement sur le lien ici en dessous. Il y a deux possibilités de participer, suis-moi sur Instagram ou abonne-toi à ma chaîne YouTube. En faisant les deux, tu augmentes évidemment tes chances de gagner. Le concours s'arrêtera le vendredi 5 octobre à 20h et le ou la gagnante sera donc tirée au sort. Bonne chance!